Evanendelea nasema. Il continue. Car toute chair est comme herbe. Mutu yote eko sawa vile nyani. Mutu yote ni chair. Eko ni herbe. Mutu yote, mwanaume, mwanamke. Homme ou femme. Et toute sa gloire comme les fleurs de l'herbe. Na utukufu ya mutu yuko sawa vile ua ya ile. L'herbe sèche. Rien n'inakauka. Et la fleur tombe. Na ua nayo inaanguka. La fleur représente la beauté et la beauté tombe. Mikuna mieleze ya kusema uzuri beauté artificielle tutu beauté ya kuuza na makuru beauté butanguka abutingi sanatera pa juzi tulikuwa na bajaka. Avant hier nous étions avec les diacres. Kama ni juzi kama ni jana. Je sais pas si c'est hier ou avant hier. Tunaona mwanamke mmoja. Nous avons vu une femme. Mimi Mungu alishinifanya juu ya nyanja kuona. My Dieu m'a fait grâce de voir. Mimi naona. J'ai vu. Mimi nasema jaki, muangalie yule mwanamke yuko karibu na kinga. Regardez cette femme là qui est tout près du vélo là-bas. Frère, ma sœur. Dada. Apan. Non, c'est pas possible. Apan. C'est pas possible. Ni kusema na kwa mubaya sana. Elle est devenue. Kupita na pale Mungu alimumbaka. Plus que même le, lors de sa création. Produit na tobole na macho. Les produits crevaient les yeux. Macho yi. Umu bilond. Elle avait des plaies partout là. Mutabebe mai ensemble. Vous prendrez et. Mutajipakar. Ce liquide là. Habita changer. Vous appliquez, ça ne changera rien. Mutabebe makana. Mutafinyana. Na mafuta ya ngazi munachan. Mutapakala. Habita fanya kit. Tu biliche traversé. Ces choses ont déjà traversé ces produits là. Ont déjà na unanja kuoza uku mujim. Et tu commences à pourrir pendant que tu es encore en vie. Muzuri butakupeleka wapi. La beauté t'amènera où? Buzuri butakupeleka wapi. La beauté où est-ce qu'elle va t'amener? Uliye ya kubakia na hali Mungu alikupatia. Uliye rete naturel. Kama huku mweushi, ukuye mweushi. Kama huku mweupe, ubakie mweupe. Kama huku wa kafe, ubakie wa kafe. Ne unakatale hili. Munajitwanga na mashinda. Munakunywa na makomprime. Munajipaka na kujipaka. Juu mko naangalia mu majurno. Mu mapicha ya majurno. Shetani yeye kuna tosha paka vizuri. Dessin. Na wewe na wewe macho iko na kuatire. Et tu es attiré par ces dessins. Huko na la mucha mvito munyumba juu ya mafuta. À cause des produits ou des lotions. C'est très bien. Ni mzuri. Mais anasema hapa. Anasema toute sa gloire comme des fleurs de l'herbe. Et l'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Amen. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Cette parole a été annoncée par l'évangile. L'évangile social. Aïta fikishaka bantu mumbimu. N'amènera jamais des gens au ciel. Utakunywa dawa yote ya malaria. Tu prendras tous les produits contre la malaria. Paka bana kutwanga shindano ya kinini. Amen contingent. Inakuuma, inakuuma. Mal. Inauma, inatunza. Quand ça fait mal. Kitu chote kunafanya ali mubaya mu maungu ya mutu. A tout ce qui dérange le corps humain, l'organisme. Jo kile kiko na muponye. C'est ça qui le sauve. Jo kile kiko na muponye. C'est ça qui lui donne la vie sauve. Huku na kilonda. Kama bana kisafisha kutokea kumilomo kuingia ndani. Lorsqu'on le pense jusqu'au fond là. Ile kilonda kitapona. En cette plaie ne sera pas guérie. Juu mikrobe yote iko pembeni ya kilonda. Parce que tous les microbes qui sont dans. Mais wakati batia kilonda ndani. Lorsqu'on va commencer à partir. Banaje kwenda na nje. Jusqu'à en sortir. Ile kilonda itapona. Cette plaie sera guérie. Ata unali. Même si tu pleures. Paka bakisafisha. Faut qu'on
na nyama yanje kuonekana mwekundu na kuota kunanje kuonekana na kilonda kitapona. Kama unakatali hii evangeli yenu kuwa permanent, iku na safisha, iku na takasu, utachuyuka, utachuyuka na utashindwa kuona Mungu. C'est pourquoi il faut que contrôler kitu kyote. Uko na contrôler ndani ya nyumba yako. Uko na contrôler nafsi yako. Uko na contrôler abiema yako. Premier Thessaloniciens. C'est pourquoi et on asema rejetant toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, rejetant, désirant comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle et saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Mwenye kuwa na masikio asikie ile Roho Mtakatifu yuko natangaza. Premier Thessalonicien. Chapitre 5. Depuis le verset premier. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Ça veut dire, sois vigilant. Car vous avez bien vous-même, vous savez bien vous-même que les jours du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et il n'échappera point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Alléluia. Pour que ces jours vous surprennent comme un voleur, vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni de ténèbres. Mitendo byote byangiza biko nafanyika busiku. Mais tout déjà busiku déjà. Nous sommes déjà la nuit. Kile kinatupatia kumwangaza ni ujumbe tuko nayo. Sois vigilant. Ne dormez donc pas comme les autres. Mais veillons et soyons sobres. Sois vigilant, sois affermi. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Et ayons revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour. Ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Sijui pourquoi unakuja. Ni juu ya ushipito kukasirani ya Mungu. Mungu anakuita, anakushikilia huruma.
Unatoka mulimwengu.